ai rapporté quelque chose. Vous avez apprécié la vue. Je ne me lasserai jamais de la regarder. L'éternité. Il me vient une idée. Quelqu'un peut-il vraiment expérimenter la réalité en dehors de soi? Tout le temps et l'espace filtrés à travers une seule perspective. Je suis autant vous que vous êtes une partie de tout. Tous les points convergent ici. Lorsqu'une étoile naît ou meurt, son existence bat dans le cœur de cet endroit. L'unité. J'ai vu tout ce que vous êtes, avez été, pourriez être. Pensez-vous avoir vécu une bonne vie? Avez-vous des regrets? C'est bien. Vous aurez besoin de cette clarté pour la suite. Afin de faire partie des Astriens, vous devez offrir une dernière chose à l'univers. Vous-même. Cette partie intangible de vous, ce petit quelque chose qui vous rend unique parmi l'infini, explosera comme une supernova. Une partie de vous fusionnera avec l'essence de cet univers, tandis qu'une autre l'abandonnera pour toujours. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce dernier saut changera cet univers pour toujours, alors même que vous êtes sur le point de le laisser derrière vous.
Tout comme la mort d'une étoile crée de nouveaux genres de matière, une partie de votre être fusionnera avec l'unité elle-même. C'est cette partie de vous qui deviendra astrienne et traversera le multivers. Pour vous, c'est comme si vous alliez vous réveiller après un rêve. Traversez la porte de lumière pour faire partie des astriens. Tout disparaîtra et vous vous réveillerez ailleurs. Mais ce destin n'est pas le seul possible. Vous pouvez aussi faire demi-tour. Tournez le dos à l'unité jusqu'à la disparition des étoiles. Et vous réveillez à bord de votre vaisseau, dans votre univers. Vous pourrez continuer cette vie que vous avez. J'ai apprécié de vous parler à nouveau. De vous parler à tous. À chaque version qui se trouve actuellement dans l'unité. À présent, partez dans les étoiles. Pendant que vous réfléchissez à avancer vers l'infini, laissez-moi vous offrir un aperçu de ce qu'il va advenir de l'univers que vous quittez, tandis que l'essence de votre personne se répand à travers l'espace et le temps. C'était un plaisir de vous voir. Votre travail avec le 6DEV de l'UC contre la flotte écarlate est un triomphe du bien sur l'avarice. L'UC établit une meilleure sécurité dans tous les systèmes occupés. Les voyages dans l'espace deviennent plus sûrs. Ryujin Industries produit le neuroforceur en masse. Il devient l'appareil indispensable de tous les négociateurs, diplomates et commerçants. Quand les gens pensent au succès, ils pensent à Ryujin, qu'ils le veuillent ou non. Aussi repartir jusqu'à ce que les étoiles diminuent et rejoindre votre vaisseau. L'émissaire reste dans cet univers, mais votre foi en sa personne l'inspire à chercher ceux qui sont dignes de trouver l'unité. De nombreux astriens renaîtront grâce à ses conseils avisés. Constellation qui reste derrière vous finit par publier ses données sur la découverte des artefacts, des astriens et de l'unité. L'exploration spatiale dans les systèmes occupés connaît une nouvelle vie, tandis que les gens cherchent l'espoir dans les étoiles. La chute de Ron Hope prouve une fois de plus que la Pola place la justice au-dessus des jeux de pouvoir mesquins et de la politique. Un sens de dévouement envers le bien commun grandit dans toute la Confédération Liberastra. Les actes d'héroïsme et les sacrifices nobles augmentent. L'utilisation d'un microbe modifié par ingénierie sur les orimorphes mène à la quasi-extinction de l'espèce. La peur des aliens diminue dans tous les systèmes occupés. L'UC est reconnue comme la zone la mieux protégée de l'espace.
la Renaissance est un point de non-retour. Bien que vous laissiez cet univers derrière vous, un nouvel univers vous attend. Qui serez-vous dans celui-ci? Quel choix ferez-vous?
avance votre truc. Vous savez quoi? Arrêtez de bouger pendant qu'on vérifie pour la contrebande. Scan terminé. Autorisation d'atterrissage à New Atlantis. Tous ces jours sont émissaires. Votre vaisseau, là, il est compatible avec... Bon, vous savez quoi? On va se débrouiller. Je peux vous assurer que cette attaque gratuite du bâtiment de recherche de l'Union coloniale ne restera pas impunie. On va vous présenter vos nouvelles attributions le plus vite possible. Quant à toi, Bobby, tu vas aussi rencontrer ta nouvelle famille d'accueil. Intermittente. Le TAM, ça finit par envoyer quelqu'un, mais ça a rien changé. Pardon, mais ces bureaux sont... Attendez, vous me rappelez quelqu'un? Vasco, identification. Scan en cours. Vérification des dossiers d'employés de nos organisations affiliées. Veuillez ne pas bouger. Il semblerait qu'il s'agisse de la personne employée par Argos Extraction que nous avons perdue en transportant l'artefact depuis Vectera. Aucune autre information à son sujet. Je vois. Vasco nous a déjà apporté l'artefact, alors... Pourquoi vous présenter ici maintenant? Vous êtes... Je vois...
Certaines de nos théories sur les artefacts s'avèrent donc fondées. Vous allez croire ça comme ça? Et si cette personne était en plein délire? Et si elle avait respiré trop de gaz dans cette mine? Et si nous l'écoutions déjà? Nous ne savons quasiment rien. Si ces paroles sont véridiques, nous avons tout à y gagner. Très bien. Je vous écoute. Voilà donc ce que nous cherchons. Les fragments d'une arme hilaire. Une carte menant au centre du multivers. C'est soit la vérité, soit le canular le plus alambiqué que j'ai vu de ma vie. Je crois que le doute n'est plus permis, Walter. Quoi qu'il en soit, on en aura rapidement le cœur net. On connaît maintenant l'emplacement de la plupart des artefacts, ainsi que la façon de les acquérir. Et si j'en crois votre récit à propos des Astriens, toute assistance sera la bienvenue. Allez donc voir Vladimir sur l'Iris. Comparez ce que vous savez avec ce que détecte les scanners. Occupez-vous des artefacts localisés par l'Iris pendant que nous rassemblons les autres. J'espère que cette autre Sarah ne s'inquiète pas trop pour vous. Et maintenant, allons chercher ces artefacts. S'il serait de bon ton de vous souhaiter bon retour dans le cas présent, il s'agirait d'un faux sens dimensionnel. Donc, Constellation compte désormais un membre astrien. Et vous le connaissiez tous dans votre ancien univers. Peut-être également nos secrets? Un peu troublant, à vrai dire. Très bien. Je ne pense pas être capable de... Je veux dire, il vaut mieux qu'on mette un peu de distance entre nous. Je veux pas mélanger ma personnalité avec celle que vous connaissiez. Mais je serai à vos côtés. Je ne raterai ça pour rien au monde. Quelle que soit votre nature, vous... À bientôt. Écoutez, je sais que rien ne vous obligeait à tout nous dire à propos des artefacts. On fera bon usage de ces informations. Je maintiens mon scepticisme à votre égard. Mais... bienvenue à bord. Vous ressemblez pas trop aux anges que j'imaginais en créateur des artefacts, mais... Salutations, membres des Astriens. Je ferai...
Voilà la personne que je suis censé connaître d'une autre dimension. Captivant d'écouter votre petite discussion. Alors, on a rejoint les Astriens ? Tant que tu prends pas les armes contre nous, on est amis. J'ai croisé les infos qu'on avait déjà avec ce que t'as dit à Sarah et aux autres. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne, c'est que Clarisse a trouvé ce que tu cherches. La mauvaise, c'est qu'ils sont pas aux endroits que t'avais dit. Voilà les données. J'ai aussi réussi à trouver une planète qui pourrait abriter un de ces temples dont t'as parlé. Je pourrais sûrement trouver d'autres temples si on me laisse suffisamment de temps pour couper les données. Reviens me voir quand t'auras passé le premier au peine fin. Chaque fois que tu ouvres la bouche, j'ai l'impression... J'en ai trouvé un. Presque une aiguille dans une botte de foin. Ses pouvoirs ne te montent pas à la tête, j'espère. Il y a déjà assez d'ego à Constellation. Gagnez-moi.
Ça vaut pas le coup.
avez arrêté le vaisseau. J'allais mourir. Je savais pas ce que j'allais faire. Ah. Quoi ? Oh, merci. Mon élève va bien ? Le vaisseau ? Oh, désolée. Vraiment désolée. Je reprends mon souffle et je nous ramènerai au port. Prenez. Vous le méritez. La monitrice, elle va s'en sortir, hein ?